Le grand enjeu aujourd'hui en Afrique, c'est la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense, en lien direct avec mes activités de recherche, c'est la contribution de l'Afrique dans la lutte contre les changements climatiques. Et je pense que ces deux points sont extrêmement liés parce qu'aujourd'hui, avec le dernier rapport du GIEC qui annonce des prédictions pas bonnes au niveau mondial, je suis profondément conscient que l'Afrique va davantage subir les conséquences des changements climatiques. C'est une question très délicate, pertinente, dont la réponse pour moi est à géométrie variable. Je pense qu'en termes de prise de conscience au niveau du continent africain, il y a de plus en plus de décideurs politiques, des hommes de science, qui ont pris conscience de l'ampleur de ce phénomène, donc de la pauvreté, qui ont pris conscience de l'ampleur des conséquences des changements climatiques. Mais il y a aujourd'hui un problème, c'est le problème du financement des actions ou des mesures qui vont permettre de sortir de la pauvreté d'une part, mais aussi et surtout en lien avec les changements climatiques, de financer l'adaptation au changement climatique. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est la mobilisation des fonds, la mobilisation des capitaux pour pouvoir participer à différents projets qui puissent permettre de sortir ou de faire face à ces deux phénomènes. Mon action dans mon domaine, je suis chercheur, écologue. Je travaille depuis plusieurs années sur les questions liées à la relation entre la forêt, sinon les forêts et les changements climatiques. Alors, une partie de mes travaux de recherche consiste à comprendre quelles sont les dynamiques, sinon les dynamismes, quelles sont les causes qui expliquent la perte des forêts dans la zone des tropiques. Et là, dans le détail, nous avons découvert qu'il y a ce qu'on appelle par des causes directes de la déforestation, de la dégradation, mais aussi des causes indirectes. Et quand nous parlons des causes indirectes, on revient à ce premier point capital pour l'Afrique, qui est la pauvreté. Parce que finalement, au bout, la pauvreté va donc expliquer en grande partie cette pression anthropique que les populations rurales, les populations locales ont sur la forêt. Ceci partant du fait que l'une des dernières études a montré que l'agriculture itinérante est la principale cause qui explique la dégradation de la forêt. La déforestation au niveau du continent africain, elle a atteint des proportions pas mal significatives avec le temps, mais il se trouve que la dégradation de la forêt semble être un phénomène plus important que la déforestation. Dans le cas de mon pays, par exemple la République du Congo, c'est la dégradation plutôt de la forêt qui est la première cause qui explique. Et lorsqu'on parle de la dégradation de la forêt, il n'y a pas que l'agriculture itinérante, il y a aussi l'exploitation forestière. Et donc aujourd'hui, pour moi, en termes d'estimation des superficies, on estime, pour le cas de mon pays, la perte des forêts annuelles à environ 13 000 hectares. Il y a d'autres études par le passé qui ont été estimées à environ 17 000 hectares. Donc la superficie va varier entre, on va dire, 12 000 et 17 000 hectares en moyenne de forêt qui sont perdus depuis les 20 dernières années. Au point où nous sommes, au stade actuel des différentes études scientifiques qui ont été menées, on peut avec certitude aujourd'hui identifier quelles sont les causes indirectes et les causes directes qui expliquent non seulement la déforestation des forêts, mais aussi la dégradation des forêts. Alors c'est très important parce que une fois que l'on a identifié ces causes-là, on peut donc agir sur les causes qui expliquent non seulement la déforestation, mais aussi la dégradation. Lutter contre la pauvreté,
serait déjà la première piste importante pour réduire la pression anthropique sur la forêt. Mais nous avons parlé par ailleurs de l'exploitation forestière. Il faudrait qu'au niveau international, parce que lorsqu'on regarde les causes de l'exploitation forestière, le besoin n'est pas toujours intérieur à un pays. Le besoin est souvent extérieur au pays, puisque ceux qui gèrent ces concessions forestières servent des intérêts qui dépassent parfois le cadre de l'échelle d'une nation, d'un pays. Et donc là, la solution pourrait venir d'une concertation au niveau international pour qu'on réellement se pose des questions vraies et véritables. Va-t-on continuer à exploiter les forêts au rythme actuel ou bien qu'à un certain moment, il faut arrêter de satisfaire les besoins ou des intérêts des groupes, des lobbies et autres pour aller vers l'intérêt, on va dire l'intérêt général, la préservation, la gestion durable, une meilleure gestion durable de ces ressources-là naturelles très très importantes qui sont les ressources naturelles pour que ces forêts puissent participer à la lutte contre les changements climatiques d'une part, mais aussi que ces forêts qui sont des ressources très importantes servent aussi à lutter contre la sécurité alimentaire, ces ressources aussi qui sont très riches en, on va dire, en termes phytogénétiques et autres, puissent assurément contribuer à la découverte des molécules très importantes qui pourraient participer à des soins, à la lutter contre certaines pandémies, certaines maladies. Parce que je suis convaincu que la forêt héberge ou regorge des molécules encore non identifiées qui pourraient, comme aujourd'hui nous parlons de la pandémie de la COVID-19, servir peut-être à trouver une molécule importante qui pourrait lutter, participer à la guérison contre ces maladies-là très difficiles à combattre. Alors, la perte, d'après les études que nous avions menées et les études menées par d'autres collègues, nous prenons le cas d'une étude récente qui porte sur la déforestation qui est associée à la croissance des différentes villes dans les zones forestières. Nous sommes partis de l'hypothèse suivante que certaines principales villes qui se trouvent dans le bassin du Congo et principalement dans mon pays ont pris naissance au cœur d'une forêt. Je citerai l'exemple de cette ville qu'on appelle Pokola, dans le nord du Congo, où il y a l'une des plus, sinon la plus grande société forestière qu'on appelle la CIB. Alors cette société-là, sinon cette ville, a pris naissance dans un petit campement. Donc c'était vraiment un campement plongé dans la forêt. Et aujourd'hui, il y a près de 500 à 600 hectares de forêt qui ont été perdus pour être remplacés par cette forêt. Alors, nous sommes partis d'une question simple. Si nous considérons que la forêt qui se trouve autour de la ville de Pokola est celle qui existait là où la ville s'est développée, est-ce qu'on peut chiffrer la perte? La perte, elle est énorme. Elle est énorme. La différence en termes d'espèces peut aller jusqu'à 40 espèces forestières. À la limite, une seule espèce comme ça qu'on a retrouvée à l'intérieur de la ville et les autres espèces autour de la ville. Là, je ne parle que des espèces forestières. Or, dans la forêt, il n'y a pas que des espèces forestières. Il y a aussi des non-ligneux. Il y a ce qu'on appelle par les produits forestiers non-ligneux. Toute cette masse de biodiversité a été perdue par le fait de l'installation et du développement de cette ville. Il serait imprudent pour ma part de pouvoir quantifier avec exactitude. Mais nous savons, d'après nos études, que la différence, elle est importante à l'intérieur d'une ville, dans la périphérie d'une ville forestière, et en allant un peu plus en profondeur lorsque nous allons dans cette forêt qui n'a pas été touchée par les humains. En termes de recherche, il faut dire ces dernières années, il y a eu deux résultats, je dirais, majeurs pour le bassin du Congo. La première étude, je dirais le premier résultat, ça a été le développement avec des partenaires américains en utilisant des images satellites
d'une méthode qui a permis de mieux quantifier la part de la dégradation par rapport à la déforestation forestière. Là, je parle de nos amis de l'Université de Maryland, avec qui nous collaborons, nous travaillons depuis plusieurs années. C'est une étude qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'est important en tant que chercheur de souligner l'importance de cette étude, parce que pendant longtemps, on croyait que c'était la déforestation qui expliquait la perte des forêts, mais au contraire, c'est plutôt la dégradation forestière. La deuxième étude majeure, le deuxième résultat majeur des 10 dernières années pour le Congo et pour le bassin du Congo, c'est la découverte de la grande tourbière tropicale. Et cet article qui a paru en 2017 a mis à la lumière une tourbière qui existait déjà, qui pour la plupart était pas connue, mais que nous avons mise en valeur à travers cette publication de janvier 2017 qui a fait comprendre, sinon fait comprendre à toute la planète, que le bassin du Congo avait une ressource naturelle, minière, très importante, qu'on appelle la tourbe, dont le stock en termes de carbone est estimé aujourd'hui à environ 32 gigatons de carbone. Ça a été revu à la hausse lors de l'apparition de notre article. En 2017, on parlait de 30 gigatons, mais quelques années plus tard, en améliorant les données collectées, cette quantité de carbone a été revue à la hausse. Et dans la même période aussi, nous avons revu à la hausse la superficie de la tourbe. C'est ça qui est fondamental et vraiment majeur. C'est qu'en 2017, on parlait de 145 000 km², alors qu'aujourd'hui, nous parlons d'environ 167 000 km² de tourbe que le bassin du Congo regorge entre les deux Congos, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Alors, cette découverte majeure donne un autre sens, une autre vision, une autre vue au bassin du Congo. Et en tant que chercheurs, modestement, nous sommes humbles et nous pensons avoir contribué à la lutte contre les changements climatiques en mettant à la disposition des décideurs politiques ces outils-là, ces informations, afin que, en discutant avec les différents partenaires à travers le monde, qu'on arrive à un niveau de compensation financière ou de mobilisation des fonds qui puissent permettre de préserver ce stock important de tourbières que le bassin du Congo a. C'est un enjeu absolument majeur, d'une grande importance, parce que nous parlons là de la plus grande superficie de tourbières de la zone tropicale. Et le stock de carbone contenu dans cette tourbière, ça représente 3 années d'émissions mondiales en tropique. Ça représente 20 années d'émissions mondiales du premier pollueur, les États-Unis. Le bassin du Congo, pouf, se retrouve avec un stock de carbone inimaginable. Et donc, il est question que la communauté internationale, à la lumière des conclusions du dernier rapport du GIEC, que la communauté internationale puisse regarder avec plus d'attention cette ressource minière que le bassin du Congo a, la préserver pour l'intérêt pas seulement de l'Afrique, mais pour l'intérêt de la planète tout entière. Parce qu'aujourd'hui, le dernier rapport du GIEC dit quoi ? Nous avions, lors du 5e rapport du GIEC, prédit une augmentation de la température de 1,5 pour autour des années 2100. Mais les prédictions ont été revues. Aujourd'hui, il est dit dans ce rapport, de façon claire, qu'autour de 2030, c'est dans quelques années, nous allons atteindre cette hausse de la température de 1,5 si rien n'est fait. Donc il est temps pour nous de préserver et de participer à la lutte contre les changements climatiques en stabilisant les puits des gaz à effet de serre et de carbone.
Le problème de la préservation de la tourbe doit être géré à plusieurs niveaux. Il y a le niveau que moi j'appellerais le niveau primaire. Les populations locales qui vivent dans cet écosystème ne sont pas forcément informées qu'ils vivent sur une mine, une grande richesse naturelle. Et donc, ils continuent à développer certaines pratiques qui peuvent être inconscientes, mais qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur cet écosystème si ces populations ne sont pas sensibilisées sur la question. Je reviens encore du terrain. Il y a moins de 2 semaines, j'étais dans ce milieu-là. J'ai vu des superficies de tourbe qui ont pris feu. Mais les populations ne prennent pas conscience du danger, au fait, pour l'environnement. Et ce sont des feux parfois et souvent involontaires. Et ils s'amusent à aller dans ces écosystèmes avec des allumettes et autres. Et la saison sèche aidant, ces écosystèmes prennent feu. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je dirais, c'est au niveau politique. Et là, nous, en tant que scientifiques, on a mis à la disposition de la communauté internationale cette information de l'existence de la tourbe. Et je crois qu'au niveau national, de ce que nous voyons, les décideurs politiques ont compris les enjeux environnementaux et dans les différents discours, nous sommes en train de voir que le politique attire l'attention des bailleurs de fonds pour que des fonds soient mobilisés vers la compensation, vers la préservation, vers la gestion durable de ces écosystèmes de façon à ce que cela ne porte pas dommage à la planète tout entière. Je crois que, comme j'ai dit pour résumer, au niveau politique, il y a une prise de conscience et nous espérons que cette prise de conscience va perdurer avec la participation de la communauté internationale. Question très délicate, question importante, parce que la préservation ou la prise de conscience d'abord du vivant part d'abord de la satisfaction de certains besoins primaires. Aujourd'hui, il y a des éléphants qui sont abattus, il y a quelques espèces assez spécifiques qui font l'objet de la chasse de façon sauvage. À la base, c'est pour satisfaire ces besoins primaires-là. Il est certaines fois très difficile de répondre à la question. Je pourrais dire oui. De façon générale, la population prend conscience que les forêts regorgent le maximum de, on va dire, en termes de richesse faunique et non faunique. Alors le rapport avec le vivant dans la forêt, c'est en gros pour satisfaire les besoins primaires. La forêt sert pour prélever de la nourriture, pour être simple. Et quand je dis la nourriture, c'est pour prélever les produits forestiers dans l'union. Ça peut être des feuilles, des écorces, des racines. Bref, la forêt ne sert qu'à cela de façon générale. Peut-être qu'il faut davantage sensibiliser les populations locales forestières pour que cette vision de la forêt change et qu'on puisse aller vers une autre vision de la forêt. Mais là encore, ça va passer par la satisfaction des besoins primaires et donc la lutte contre la pauvreté. Parce que lorsque nous discutons avec ces populations locales, elles vous disent quoi ? Je prélève, c'est pour vendre. Je coupe la forêt, c'est pour remplacer cette forêt par un champ de manioc, un champ de maïs. Et pourquoi tu le fais ? C'est pour avoir de quoi et satisfaire à mes besoins primaires. Donc je reviens encore. La lutte contre la pauvreté est une piste incontournable qui aidera à mieux agir pour le vivant et pour l'intérêt du vivant, et non seulement pour l'intérêt du vivant, mais pour l'intérêt de nous tous. Alors, des dernières années, s'il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'ouvrage écrit par Peter Wolben et qui s'intitule
la vie secrète des arbres. J'inviterai toute la communauté à lire ce bouquin très très riche et qui fait ressentir, ressortir même, non seulement ressentir, mais aussi ressortir pas mal de faits que nous ressentons lorsque nous sommes au cœur de la forêt tropicale. Par exemple, cette sensation de communication avec les arbres. Je suis profondément scientifique, oui. Ça peut paraître être comme de la métaphysique, mais dans cette communion avec le vivant, qui est l'arbre, plusieurs fois, lorsque tu es au cœur de la forêt, tu ressens comme ces énergies, ces sensations étranges qui témoignent comme d'une certaine interaction entre nous les humains et les plantes tout autour de nous. Wow. Je dirais oui. Tout ce qui vit a une âme.